mois de mai. Hein, y a quoi ? J'ai apparemment, ils commencent vraiment à être chauds. Ouais, ils commencent à être. Ouais, voilà, là-bas, ils sont motivés, donc franchement, faut y aller. Après ça, vous avez Big Wanted. Big Wanted 2 qui ont été annoncés. Donc, vous avez prochain Big Wanted, donc Vince qui a été annoncé. 100€ sur sa tête. Waouh. T'en penses quoi, toi, 100€ ? En vrai, vous pourrez pas avoir les 100€, du coup, c'est un peu la fausse publicité. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Tu le bats en winner, tu perds et tu retombes contre lui en loser. Ouais. Et il y a 4 Wanted, hein. 4 Wanted, 500€ à se faire. Hein. Ah bah. Ah, il y a 500€ de cash à se faire sur le Wanted du Big Wanted 2. Ouais, ça fait plaisir. Avec une petite convention, l'événement il est sur 2 jours et une nuit. Et donc vous avez de quoi faire. C'est quoi le nom du Big Wanted 2 ? Bah, c'est l'invasion de la Horde. Voilà, donc je vous rends le commentary, je vous laisse sur du Demnik versus Vince, aka NT Chaos, et je vous laisse Armades. Ciao, ciao. Bon alors, ça commence. Loser round 5, Vince qui a perdu contre, si je me souviens bien, Amin et Demnik, je sais pas contre qui il a perdu. Bonjour, je sais pas pour combien de temps j'en ai de cast, parce que je vais jouer en double, mais ouais, aussi, voilà. En fait. Ah bah sympathique du coup. Mais du coup, let's go. Let's go, alors du coup on a petit Lucas contre Link. C'est un match-up qui a l'air un peu compliqué pour Lucas, je trouve. Mais. C'est vrai que. Ah, ça fait bien chier. Hein. Ouais, on devrait pas tarder. Même s'il peut absorber les bombes, c'est. Maintenant ? Ok. Ah, bon, bah... Merci The Flow, c'était court mais intense. De rien, mec. donc, Demnik, qui s'est fait un peu tuer très vite sur la première stock. Et là, il commence à. Reprendre. Son calme, j'ai envie de dire. Bon, alors là, on rajoute 15-20% d'info à perdre de Lucas, ça peut se mettre à tuer. C'est ça. Genre. Là, par exemple, ça risque de tuer. Mais Vince, il le sait. Et du coup, il va sûrement pas se faire grave. Du moins, ça, c'est la théorie. Et oui, après son FB, Lucas peut drift très 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 loin. Alors la chiffre est sûre du power d'air de Link, les deux coups qui font tous les deux beaucoup de pourcents. Je crois que le premier c'est 11, le deuxième c'est 13. Ça fait mal, mais... Ah là par contre, le deuxième repère dont je parlais, ça tue. Et il arrive à prendre la stock sans prendre trop de pourcents, on va dire. 41, c'est assez honnête. La strat, les piquets zigzag de Daimic. Let's go, voilà. Le canon. Alors. Bon, alors là, ça peut être chaud pour Lucas, parce que, comment dire, Link, ça tue avec pas mal de coups. Mais Daimic, il s'en fout, il fait ses mouvements obscurs. Ah, dans le pas peur. Mais non, on peut drift pendant l'air dodge ici. C'est ça qui rend l'air dodge de Lucas NS très dur à catch d'ailleurs. C'est que s'il veut faire une air dodge à Autofitson, au lieu de tomber tout droit comme la plupart des autres persos, Lucas NS, Mewtwo et Rosalina, je crois, et bah, ils peuvent bouger. Et ça rend le truc très dur à punir. Comme vous pouvez le voir. Un autre perso, et bah, il aurait air dodge le upper de Link et il serait retouché par le upper de Link. Et là il est mort. Bon, très beau comeback de la part de Daini. C'était assez propre. Okay. Donc Demnik Vin, c'est ça ? Première game prise par Demnik ? Oui. Allez, surtout pour comeback, tiens. Ah ok, bon bah je dois aller double, du coup je vous laisse avec 5D. Let's go. Let's go Normandie Sport. Donc Demnik contre Vince, Demnik qui est un joueur très très setup. Demnik qui est un joueur très technique, très flashy. Je sais pas si ça s'est vu, j'ai pas vu la première game. Oh la musique derrière, ça met de l'épicness. Excusez-moi, j'ai du mal à le... Hop. Donc ouais, le match-up... Alors le problème de Vince, c'est que c'est très fast follower et que ça se fait facilement combo par Lucas, mais Lucas peut avoir des difficultés d'approche. C'est un mauvais désavantage de Lucas, donc... Ouais, voilà.
Ah dommage, il n'a pas fast fall, ça aurait lock sinon. Il aurait pu trouver et il aurait pu regrab. Bah voilà, ce qu'on disait c'est que soit il a des setups, mais en soi il met pas tant de pourcents que ça. Bon, le grab, bon. Le grab qui est trouvé, il trouve encore un footstool. Mais il arrive pas à lock en fait, c'est bien de mettre des footstools, mais il arrive pas à lock derrière donc. Si le setup passe pas. Oula. Oh, il a tenté un truc. Il a tenté un truc ultra ballsy, Damnik. Hein. Et il s'est fait punir, il a pris un down air, ça met beaucoup de pourcents down air. Le F-tilt pour l'envoyer offstage encore une fois. La tentative de tirer, mais heureusement, vive le tether de Lucas, hein. C'est l'avantage qu'il a par rapport à Ness. Quand on compare, c'est vraiment le tether grab qui est monstrueux. Ah, il a tenté ce backer. Backer qui spike, hein, par la même occasion. Oh, et voilà, il le trouve. Il le trouve, ce landing backer. Et Vince qui finit dans les abysses. Mais voilà, Vince qui répond instantanément. Qui a décidé de pas rester. Qui n'est pas en reste quant à l'agressivité de Demnik. Et voilà. Ouf. Qu'est-ce qui fait mal ce F-Smash. Oula. Et là il est vulnérable. Ouais voilà, c'est instantané. Il tente une Rico au piqué Thunder, c'est instantanément un down air. Alors même si ça spike pas, ça reste des pourcents. Oh, il peut absorber la bombe, je savais pas. Je pensais que c'était un projectile physique. Et là, c'est dead even. On peut pas faire plus even actuellement. Ouah, wow, il a tenté la... Qu'est-ce qu'il a fait, Vince? Il a tenté d'anticiper une roll, c'est ça? Et la game va encore une fois à Demnik. C'est Elastic, mais Demnik qui arrive toujours à trouver ce petit truc. Donc ouais, c'est ça, 2-0 pour Demnik. Vince qui réfléchit, est-ce qu'il counterpick? Il reste sur Link. Il va rester sur Link, on sait qu'il a un TL. Mais il a décidé de rester sur Link. Il va remonter, c'est Lucas, mais... 2-0. Allez, Demnik là qui a mis une bonne pression. Hein. Actuellement, il est... Il a l'air bien parti, il a l'air vraiment confiant, il a une bonne prise en main de la game, il a une belle emprise sur le stage, etc. Vince qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à... Vince qui prend une bonne pression, même si là il trouve quelques pourcents intéressants. Ah, il l'a encore tenté. Dès qu'il peut, il le tente. Oh, par contre. Waouh, on était pas loin. On était clairement pas loin. Oula,
Ok. J'ai cru qu'on avait eu un free. C'est bon. Oh, il va remonter. Oh, belle tech. Oh, qu'est-ce qu'il a? Oula. C'était étonnant comme punish, ça. Et voilà. Mauvaise punish, instantanément repris par Demnik. Le père qui va sceller cette peut-être dernière stock du tournoi pour Vince. Hein. C'est le loser. On est sur du loser là. Hein. Donc. Il faut que Vince arrive à trouver un momentum, à peut-être. Je vois pas ce qu'il pourrait faire en fait. Peut-être prendre. Là, il prend un peu tous les setups du monde. Voilà, ça c'est 47%. Enfin, un peu moins au coup, mais ça monte pour Vince. Et là, j'ai l'impression qu'il panique un peu, il tente un peu tout ce qu'il peut, mais c'est compliqué. Oh, par contre, celui-là, ok, celui-là, rien à dire. Et là, ah. Est-ce qu'il va trouver son setup? Oh, le back air qui a failli passer. Et Vince qui a beaucoup du mal à retrouver ce stage, qui a beaucoup du mal à s'exprimer dans le neutral. Beaucoup de mal, pardon, à s'exprimer dans le neutral. Qui. Oh, il a tenté. Oh! Oh, dommage, la plateforme. Il est retombé sur la plateforme, mais il y avait un truc. Oh, il s'en sort, merci la bombe. Et c'est la fin, et Demnik 3-0. Qui avance, hein. C'était